La Bretagne, Josselin. La mairie de Josselin. Locronan, département du Finistère. Locronan, petite cité de caractère, est l'un des plus beaux villages de France. La place de Locronan. L'église Saint-Ronan. Coucou, cheval.
église Saint-Renan, 14e, 15e siècle. La chaire de 1707 qui retrace des scènes de la vie de Saint-Renan. Descente de croix du XVIe siècle, six personnages en statue polychrome. La résurrection de Jésus qui se présente à Marie-Madeleine et aux apôtres d'Emmaüs. Le gisant de Saint-Renan, début du XVIe siècle. La campagne autour de Locronan. Quimper, préfecture du Finistère, les bords de l'Odé. Façade de la cathédrale Saint-Corentin. Panorama de Quimper vu depuis le mont Frugy qui domine la ville de 70 mètres. L'église Saint-Mathieu.
les quais le long de l'Odé. Le sentier du mont Frugy. La cathédrale Saint-Corentin. Jardin des Lys. Les quais de l'Odé à Quimper. Le vieux Quimper. Rue Saint-Mathieu. L'église Saint-Mathieu.
place Tertre-au-Duc. Les maisons à colombage de la place Tertre-au-Duc. De l'Odé. Le mont Fuji domine la ville. La principale rue piétonnière de Quimper. Vers la cathédrale Saint-Corentin. Par la rue Quéréon. Maison à encorbellement de la rue Quéréon. Rue des Boucheries. Rue du Salé. La rue du Salé. La place au beurre. La rue Élie Fréron. La cathédrale Saint-Corentin. Le musée départemental breton. Oui, mais c'est... Façade de la cathédrale Saint-Corentin. Les flèches ont été construites en 1856.
le musée départemental breton. Le chevet de la cathédrale Saint-Corentin. L'évêché, siège du musée départemental breton. Les quais de l'Odé. Les petits ponts sur l'Odé. La préfecture du Finistère, ancien hôpital Sainte-Claire. L'église Saint-Mathieu. La rue Quéréon. Retour à la cathédrale Saint-Corentin pour la visiter cette fois. Le roi Gradelon. Tu peux t'avancer, le seul.
l'intérieur de la cathédrale Saint-Corentin. Le cœur. La cathédrale Saint-Corentin possède de très beaux vitraux du XVe siècle.
la cathédrale Saint-Corentin de Quimper la nuit. La statue du roi Gradelon. Concarneau, le port, la ville close et ses remparts, du 13e au 17e siècle. La nuit, prends les gâteaux. À l'extrémité de la ville close. Un ciel très breton. Le bac.
Beaucoup de monde, même en septembre, dans la ville close de Concarneau. Plébène, l'enclos paroissial. La chapelle funéraire. Calvaire, le plus imposant de Bretagne. La place principale de Plébène. Le calvaire, le plus imposant de Bretagne. La Seine. L'arrestation de Jésus. Pietà, Vierge de douleur. La chapelle funéraire ancienne ossuaire. Ça vient, ça c'est pour la mettre les mains ou avec le câble. Là c'était dangereux tout ça. Avec les gants. Que la rue est en danger, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. C'est beau, il met la bûchette. La porte monumentale. L'ossuaire ou chapelle funéraire. Et le calvaire. L'église dédiée à Saint-Germain l'Auxerrois abrite de nombreuses statues polychromes.
buffet d'orgue 1688. Le goût change. Le buffet d'orgue illuminé. L'hôtel. La sacristie. La côte de Cornouailles.
posons. L'église de Crozon. La chaire qui a servi de modèle à celle de l'Ocronan. Trop moderne. Grand retable du XVIIe siècle. La flagellation. Le portement de la croix. Les 10 000 soldats nouvellement convertis qui ont été crucifiés sur le mont Ararat en Arménie sur l'ordre de l'empereur Hadrien. Paysage de la presqu'île de Crozon. La pointe de Dinan. Et dans le lointain, la pointe du Raz. Camaret-sur-Mer, au bout de la presqu'île de Crozon.
pointe du Toulingui à Camaré, extrémité de la presqu'île de Crozon. Vers la pointe Saint-Mathieu, la pointe des Espagnols et la rade de Brest. La pointe de Penhir. Et dans le lointain, la pointe du Rat. Le sémaphore de la Marine nationale sur la pointe Guay. Le panorama depuis la pointe de Penhir. La pointe envahie par les touristes. Dans le lointain, le Ménez Home. À la naissance de la presqu'île de Crozon. Le village de Camaré-sur-Mer, monument commémoratif aux Bretons des forces françaises de l'intérieur. Un colloque de touristes. Le sémaphore de la pointe de Toulingué. La région des Abers. La pointe Saint-Mathieu. À 70 mètres au-dessus de la mer, l'océan Atlantique et ces trois rochers que l'on appelle les tas de pois. La pointe du Raze. La pointe de Dinan et le cap de la Chèvre. Après, la passage d'un bateau devant l'île d'Ouessant. Thank you.
les tas de pois. Dans le lointain, l'île de Saint. La pointe du Raz. Le Ménez Home. La rade de Brest. Panorama depuis la pointe des Espagnols, pointe nord de la presqu'île de Crozon. Brest. Et sa rade. La côte des Abers. Touristes à la pointe des Espagnols. Le Goulet. Le pont de l'Iroise. Le Ménez Home. Bénodet. L'embouchure de l'Odé. Thank you.
Le pont de Cornouailles sur le Dee. Quimperlé, la ville haute dominée par l'église Notre-Dame de l'Ascension. Le confluent de l'Ellé et de l'Isole forme la Laïta. Abbaye Sainte-Croix dans la ville basse. L'église Sainte-Croix, reconstruite en 1862, après l'effondrement de son clocher. Les halles devant l'église. La crypte et ses gisants. Tombeau du XVIe siècle en pierre. Prétable, partie d'un ancien gibet.
le clocher séparé de l'église, l'abside. Je crois que je vais y arriver. Rue Brémond d'Ars, c'est maison à colombage. Ruine de l'église Saint-Colomban. Rue Don Maurice, maison des archers. Retour à Bénodet en attendant l'excursion en bateau. Le pont de Cornouailles. L'Odé. Les gens ont dit avec la grande. On a le jaune. Au large, vers l'archipel des Glénans. C'était celui qui arrive devant. Tu vois, t'as une là? Il y en a deux. Il ne fait malheureusement plus aussi beau que ce matin. J'attends que tout ce monde-là soit parti. C'est quoi du pont? Je crois que c'est moi. Je suis en train de me faire un peu de temps.
mesdames et messieurs, bonjour. Le capitaine de ce navire et son équipage sont très heureux de vous accueillir à bord et vous souhaitent une très agréable croisière sur l'Honel, la plus jolie rivière de France. Ladies and gentlemen, good afternoon. The captain and his crew are very happy to welcome you on board. And we hope you will enjoy your trip with us on the Odette, the most beautiful river in France. L'Odet, Anne Audette en breton, prend sa source dans les montagnes noires entre Saint-Loisec et Roudou-Alec, environ une trentaine de kilomètres de Quimper. Elle arrose la ville où elle s'élargit en un aver long de 18 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique, ici même au port de Bédonnet. The Odet, Anne Audette en breton, take its rise in the Black Mountains between Saint-Loisec and Roudou-Alec. And this body of water is the more richest in the region in quantity of which it contains. Thank you.
les abandonner. Thank you.
Thank you.
Retour à Quimper, les faïences.
noyau et son enclos paroissial. Un ciel, hélas, très breton. L'abside de l'église. Le porche méridional et ses voussures. Statue de Saint Millot, roi de Cornouailles. La création de la femme, Ève créée à partir d'une côte d'Adam. Baptistère de 1675. Colonne torse.
Vitrail du cœur, 1599. Rétable de Saint-Joseph. Saint-Yves, patron des avocats. Saint-Hervé et son loup. Rétable de Saint-Mignot. Rétable du Rosaire. Tribune d'orgue. Sainte Cécile à l'orgue. David jouant de la harpe. Le triomphe d'Alexandre. Un restaurant que nous aimons fréquenter. Je...